Alors, donc moi je suis Angélique et mon mari, Thierry. cela fait déjà quelques années que nous allons en Espagne. C'est toute mon enfance, Peñíscola, c'est des souvenirs d'enfance. Et il nous est venu une idée, c'est pourquoi pas acheter notre petit chez nous en Espagne, un pied-à-terre pour pouvoir y passer nos vacances en famille. Voilà. Voilà, et donc on a commencé un petit peu à se renseigner. Jusqu'au moment où je suis tombée sur une annonce dans un magazine d'affaires, justement, qui parlait de j'achète en Espagne. Il y avait de très bonnes, Regardez les avis aussi. voilà, il y avait de très bons avis. C'était très bien expliqué, c'était très clair. Et donc, le moment venu, lorsqu'on s'est enfin décidé, je l'ai contacté, j'achète en Espagne. Surtout, c'est jamais. On ne sait pas effectivement contacter quand on part dans un pays étranger comme ça. Oui. On était un petit peu craintif aussi hein, de tomber Oui. sur la bonne personne aussi. Super. Franchement, tout de suite, on a été contacté, Tristan qui s'est chargé de nous. Donc, on a de suite expliqué un petit peu notre projet. Tout de suite, il a bien saisi ce qu'on cherchait. Complètement, tout à fait. À corroborer tout ce qu'on avait pu lire sur l'achat en Espagne précédemment. Donc, suite à cela, les choses, elles se sont mises en place tranquillement. On a commencé à parler des annonces, à voir quelques vidéos. Et puis voilà, de fil en aiguille, donc on a visité Très bien. voilà, plusieurs appartements avec Tristan qui est venu spécialement à Peñíscola pour nous accompagner, pour être avec nous et qui a été de très bons conseils puisque. Voilà, on a trouvé ce qu'on cherchait, on a trouvé notre bonheur. Oui, on a déjà acheté une première résidence secondaire en France, qui n'a rien à voir puisque c'est une résidence à la montagne. Et c'est vrai qu'on est aussi passé par une agence et évidemment, ça n'a rien à voir parce que là, on est quand même dans un pays étranger, en Espagne. En plus, bon, nous, on parle pas très très bien espagnol, donc c'était compliqué pour nous d'appeler une agence locale sur place espagnole. Donc c'est vrai que non, c'était pas possible. C'est On possible. n'aurait jamais pu s'exprimer, on n'aurait jamais pu se comprendre. Donc il fallait vraiment que ce soit quelqu'un qui parle français et espagnol pour pouvoir nous aider. Et oui, donc la différence, bien sûr, on a été entre guillemets écouté. On a eu droit à tous les renseignements dont on avait besoin, toutes les modalités d'achat, parce que c'est pas comme en France non plus. Il n'y a pas les mêmes étapes qu'ici en France. Quand on ne connaît pas, c'est quand même bien pratique d'avoir quelqu'un sur place qui parle français, qui s'y connaît, qui est là pour nous aiguiller, pour nous aider. Donc, super. Sérieux? Ouais, disponible pour tout. Disponible. Oh, disponible, sérieux, Et je dis compétent. oh, il y aura Franchement. quelques mots de plus, hein. On s'est senti bien Épaulé, parce que voilà, il accompagné. faut être épaulé, En quoi. plus, c'est vrai qu'on a appelé, on appelait souvent Tristan pour avoir son avis, son point de vue, des renseignements, comment il fallait procéder, comment il fallait s'organiser. Et vraiment, c'était vraiment pratique d'avoir quelqu'un de disponible à l'écoute avec nous. Il y a une chose qui est quand même importante aussi, c'est que même après la vente, on reste quand même en contact et quand on a besoin, quand on a un doute encore sur quelque chose, il y a quand même un suivi, même après, une fois que le bien est acquis surtout, parce que souvent, une fois que le bien est acquis, on nous laisse parfois un petit peu tomber, hein, en disant que les Après, choses sont oui, les faites. choses, on passe à autre Et en chose. fait, on pense qu'il va, ça a été encore au-delà de son travail en fait. Hein. Mais c'est déjà fait d'ailleurs, puisque mon beau-frère envisage d'investir en Espagne, donc on a déjà recommandé j'achète en Espagne. C'est un projet pour, je pense, printemps, été l'année prochaine, donc ça y est, il a déjà les coordonnées, il a déjà tout.